Le commissariat du 2e arrondissement de Gagnoa a annoncé, lundi, le démantèlement d'un vase très honnête, libérant dans la même occasion, une quinzaine de personnes séquestrées. L'origine de l'alerte un vase très honnête localisé dans le quartier Barouillot de Gagnoa a été démantelé dans la nuit du dimanche au lundi 14 mars 2022, apprend-on de sources policières. Selon notre source, ce coup de filet a été possible à la suite d'une alerte anonyme lancée sur les réseaux sociaux, faisant état de séquestration de personnes, d'arnaque à l'emploi et d'escroquerie portant sur de très fortes sommes d'argent par des individus se réclamant d'un réseau net à Gagnoa, au quartier Barouillot. L'opération menée avec l'appui des éléments du groupement mobile d'intervention vers minuit a permis le démantèlement du dit réseau ainsi que la libération des 15 personnes aussitôt informées. Le commissaire divisionnaire de police Boa Kwasi Jean, préfet de police de Gagnoa, a immédiatement après avis de parquet, ordonné une vaste opération policière dans le dit quartier. L'opération menée avec l'appui des éléments du groupement mobile d'intervention vers minuit a permis le démantèlement du dit réseau ainsi que la libération des 15 personnes qui faisaient l'objet de séquestration. Ces personnes ont été mises à la disposition du dit commissariat de police, après compte rendu au parquet, dans le cadre d'une enquête ouverte à cet effet pour escroquerie et séquestration, nous apprend notre source. Lire aussi Côte d'Ivoire, des agents de net condamnés pour escroquerie à ce jour, ce sont 39 individus appartenant au réseau net qui ont été ainsi interpellés sur plusieurs sites et plus de 400 personnes déguerpies par la préfecture de police de Gagnoa, respectivement dans les quartiers d'Elbo 2 et Libreville. Le gouvernement ivoirien, faut-il le rappeler, à l'issue du Conseil des ministres du 8 juillet 2021, interdit les activités de net et des entreprises similaires qui, sous le couvert du marketing de réseau, pratiquent des activités de type pyramidal. Les entreprises de presse ont également été instruites par le gouvernement de ne pas couvrir leurs activités.